6% de réduction sur vos crédits avec le code YOMAX. Attention, il y a des risques, checkez la description. Yo l'équipe, c'est YOMAX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Oublie pas le petit j'aime sur la vidéo s'il te plaît, on est toujours à la quête du million d'abonnés et ça m'aide, bien évidemment vous le savez. L'équipe aujourd'hui, pack opening, il y a des packs à 100 000, il y en a 5 à ouvrir. On va ouvrir un petit peu de packs méga rares. Pourquoi? Pour quel événement? Bah écoutez, pour un événement, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ils rajoutent des événements toutes les semaines, tout le temps, des nouvelles cartes, ouais, encore. Apparemment, il y a encore 4 types de nouvelles cartes qui vont sortir dans les semaines à venir. C'est un truc de fou. En plus, là, les cartes qu'ils ont sorties, voici l'image actuellement à l'écran, les gars. Pogba, évolutif, hein, c'est-à-dire dès qu'il va prendre un boost, il va évoluer. Alex Sandro, Sané, Werner, Roy, Son. Il y a des cartes de fou, Rashford, Lozano, Hernandez, défenseur central, Zapata. Bon, Zapata, non, il a pas une carte exceptionnelle, je trouve. Mais les gars, Lala, Kenny Lala, défenseur droit, c'est des cartes évolutives. Il y a vraiment trop de cartes. Aujourd'hui, c'est vrai, ça m'arrange parce que ça me permet de tourner une vidéo pack opening. J'ai un déménagement, je voulais faire une vidéo gameplay. Bah, la vidéo gameplay, elle va quand qu'il arrive sortir. Ma nouvelle équipe, je change d'équipe tous les jours de toute manière. On va la faire cette vidéo gameplay, mais ça m'arrange. C'est rapide à tourner un pack opening, c'est vrai. Et aussi, ça m'arrange parce que j'ai besoin de crédits pour toujours améliorer mon équipe. Et ces cartes valent quand même des crédits. Et surtout, pour une fois, tu vois là, pour une fois, bah, j'espère que ça va se confirmer dans la vidéo et qu'on va en paquer au moins un. Regardez, il y a 4,7% de chance d'en paquer un seul au moins. Donc d'habitude t'as pas autant de pourcentage de chance d'en paquer un, donc ça va les pourcentages de chance. Et dans les packs méga, 1,9% de paquer ces joueurs vedettes. Voilà, bon je trouve que ça fait peut-être un peu trop de cartes, mais bon, que voulez-vous. Allez les gars, on va ouvrir quelques packs méga rares et ensuite on passera au pack à 100 000. J'espère vraiment que dans cette vidéo on va au moins en paquer un. Ce serait un peu triste. Je me dis que ces pourcentages de chance et tout, ils vont faire que normalement on va en avoir un. J'espère que ça va se passer comme je l'entends. Sergio Asenjo, la nouvelle mise à jour, on n'en a pas parlé, c'est l'occasion, les packs opening, vous savez, de discuter un petit peu la nouvelle mise à jour. Eh ben écoutez, j'ai eu du mal à m'adapter, j'ai eu du mal. J'ai commencé mon foot champion, j'ai l'impression que ça va. Et ouais, maintenant faut jouer au football, c'est fini. Les time finishing enroulés devant la surface, tout ça, c'est terminé. Donc bah, ça se passe bien, j'aime bien cette mise à jour. Après, je trouve ça juste dommage qu'ils sortent cette mise à jour. Ils ont sorti quoi, fin janvier à peu près. Je trouve vraiment ça très dommage qu'ils la sortent aussi tard dans l'année. C'est-à-dire que le jeu il est sorti il y a 6 mois. Et là, ça change complètement tout le gameplay d'avoir fait ça. C'est dommage, vraiment, les gars. On aurait pu avoir ça, allez, peut-être un mois après la sortie du jeu. Parce que voilà, c'était déjà le bordel un mois après la sortie du jeu. Ben non, là en janvier, je trouve ça dommage parce qu'il faut se réhabituer tout ça. Mais au pire. Allez, c'est pas grave parce que je trouve que le jeu est meilleur comme ça. Honnêtement, je trouve que le jeu est meilleur comme ça. Les timing finish et tout, c'est terminé. Moi, j'étais un grand fan de ça, vous le savez, je le maîtrisais. Donc j'étais super content, ça me permettait de gagner des matchs. Bah maintenant, faut que je revoie ma manière de jouer. Faut que je joue au football, tout simplement. Et c'est pas plus mal de jouer au football. Animation, les mecs, et voilà. Et voilà, les Pogba, sort de ce corps. C'est Ziyech, c'est ça, MD, ouais, je pense que c'est Ziyech. C'est ça, Ziyech les gars. On va regarder un petit peu sa carte en détail. Ben voilà, déjà une carte, voilà, je vous ai dit aujourd'hui on va en paquer. Je suis content, Ziyech, on va voir sa carte, elle dit quoi. Pas mal, on va aussi voir son prix de revente, hein. C'est évolutif tout ça, je sais pas s'il fait une grosse saison. Ziyech plus Fekir. Ziyech, qu'est-ce que ça dit sa carte? Les mecs, endurance 94, déjà ça c'est très important pour moi, l'endurance dans n'importe quel joueur que je prends dans mon équipe. Conduite de balle, c'est pas mal. Équilibre, c'est mauvais. Bah écoutez, la carte est pas mal, non? Un milieu droit, tout ça. 100 000, il doit pas coûter extrêmement cher. Ça doit pas être un des plus chers, non, clairement. 40 000, les gars. Bon, écoutez, je crois que le pack n'est même pas remboursé avec lui. Mais on en a pas qu'un déjà. Et c'est dans un pack à méga rare. Donc sait-on jamais par la suite, dans les packs à 100 000, tout ça, on en obtient d'autres. Allez, c'est parti, donc la mise à jour, ouais, j'adore, j'apprécie la mise à jour, j'aime bien le gameplay désormais. Faut se réhabituer, c'est compliqué, je trouve ça dommage, comme je vous ai dit, que ça sorte aussi tard dans l'année. Mais c'est pas grave, maintenant elle est là, c'est fait, je suis content. Maintenant par contre, leur délire, c'est qu'ils mettent que des cartes spéciales. Donc voilà, il y aura encore plein de cartes spéciales. Allez les gars, je veux du Son, moi, je veux du Son. Je veux du Alexandro, du Pogba, du Lala, j'aimerais bien le tester parce que je l'aimais bien au début du jeu. Ensuite, j'ai vu Idriss faire un foot champions avec la dernière version boost qu'il avait. Et franchement, il était mauvais. Honnêtement, il était pas bon, Lala. Donc j'aimerais bien. Oh, l'animation, allez, ça, non, c'est un autre. C'est un autre. Ah non, c'est pas un autre. Animation, les gars, c'est voilà, Edki, espagnol. MC Iniesta, à mon avis. Ouais, Iniesta. Bon, la moins bonne animation espagnole du jeu, je pense. Bon, quoi que, je sais pas trop, mais voilà. Iniesta dans ce pack. Une deuxième animation dans ce pack opening, c'est bien aussi, c'est bien. Donc là, ouais, j'aimerais bien tester. Surtout que c'est une carte évolutive. Il prend pas mal de boost cette année. Ouais, ce serait pas mal. Donc, vas-y, objectif là.
objectif Son, objectif Reus, objectif Pogba, Alex Sandro, objectif tout en fait. Donc je peux encore en ouvrir un je crois. Allez c'est parti, le dernier pack méga rare, ça va je suis content, ils m'ont donné au moins deux animes, peut-être trois, non. Le dernier pack, qui est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on obtient? Les portes s'ouvrent et on obtient un italien. MC, ça va être Jorginho. Allez, maintenant, on attaque les gros packs. 4,7% de chance d'obtenir des joueurs vedettes. FUT 19. Alors, j'espère que ça va se vérifier. Sur 5 packs, on met en obtenir un autre, s'il vous plaît. Une animation directe. Et non, c'en est pas un. C'est un boost. Ah, dans l'équipe de la semaine, je suis pas fan des boosts. Hein. Je suis pas fan de l'équipe de la semaine tout court. Ça, c'est Hilton, non, c'est ça? Et ouais, les gars, Hilton, il a 44 de vitesse, il a 40 ans, 41 ans. Non, je suis pas content de packer Hilton. Par contre, vu que c'est un boost animation, normalement, on peut avoir des gros régulars derrière. Hein. Vous vous rappelez, j'ai eu Ronaldo comme ça. Donc, allez, un petit Messi derrière cette fois-ci. On va pas se cacher qu'on serait content. Leno, Lucas Vasquez. Ok, Hilton, je regarde même pas le prix, les gars. J'imagine que sa carte ne se vend pas, tout simplement, qu'elle est au prix minimum quasiment. Quoique c'est un joueur qui a 84 de gêne, donc pour des SBC, c'est pas mal. Allez, une autre anime, et bang! Et oui, les gars! Qui est-ce que c'est? Ah, c'est Pépé! Ouais, je pense que c'est Pépé. Eh, les gars, Pépé, c'est bien. Pépé, il prend que des versions boost. Là, il y vient. Là, je pense que je vais le garder, garder Nicolas Pépé. Ma parole, c'est lourd. La tête de moi, on a eu deux aujourd'hui. Je suis content. Tu vois, ça fait plaisir. Ça me rappelle les packs opening sur FUT 14, FUT 15. Quand tu faisais un pack opening, tu mettais pas beaucoup d'argent. T'avais des cartes de couleur. Ça tombait dans les packs. Ben là, ça tombe. Je suis content. Nicolas Pépé, on va regarder son prix de revente, bien évidemment. Mais je vais pas le revendre. Je vais le garder. Est-ce qu'il est tout seul? Eh ben non, il est pas tout seul, les gars. On a un putain de pack là, de boost et de vriche derrière. Et Nicolas Pépé, donc un joueur vedette. En plus, il coûte pas mal, les gars, 150 000 crédits. Mais ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir que ça tombe dans les packs, tout ça. Je vous dis la vérité, ça fait plaisir. Non, 150 000 crédits, mais Nicolas Pépé, je vais le mettre dans ma e-ligue 1 parce que là, c'est le 4 février que je dois faire mes matchs pour Lyon là. Donc, c'est quoi l'hiver? Non, ça doit être l'été maintenant. Non, ça doit être le printemps ou l'automne. Mais je m'en bats les couilles. Je sais pas comment elle s'appelle la compète là maintenant. Je pense. Logiquement c'est l'hiver vu qu'on est en hiver. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. Allez les mecs, nouveau pack, c'est parti. 2000 points FIFA, encore une anime s'il vous plaît. Oh la tête de moi, ça fait que de tomber. Et une carte vedette encore. Non, c'est pas une carte vedette, c'est qui? Un bon régular s'il vous plaît. Cavani, Suarez. J'ai jamais eu Suarez, je ne l'ai jamais eu. Cette année j'ai jamais packé Suarez. Ma parole, le pack opening est lourd. Luis Suarez. Putain, mais ça fait plaisir les packs opening comme ça. La vérité, ça fait plaisir, les gars. Pas le plus gros investissement de l'année, mais vraiment une bonne vidéo avec des bons packs tout le long. C'est ça qui est cool. Luis Suarez, je sais pas combien il se revend. Là, vraiment, je sais que je vais pas l'utiliser, mais qu'est-ce que je suis content de le packer. Vraiment, jamais je l'ai vu cette année. Jamais je l'ai vu. Je l'ai pas eu une seule fois. Ma parole, mon pack opening, il est lourd. Encore 100, 150 000 crédits à peu près de récupérer. Non, la tête de moi. Allez, c'est pas fini, les gars. Il nous reste combien de packs? Un ou deux? J'espère qu'il en reste deux. Parce que là, ça tombe les animes. Ça tombe les joueurs vedettes. Il en reste deux. Allez, encore une anime. S'il vous plaît, les mecs. S'il vous plaît. Ah, on peut pas trop en demander. On va regarder qui est-ce qui se cache dans ce pack tout de même. Un portugais, milieu droit. Besiktas, c'est quoi? Lesma. Et le dernier pack de cette vidéo. Alors, franchement, pour le coup, je vous le dis, je suis content de mon pack opening. Je suis content de mon investissement. Ma parole, je suis content, les gars. J'ai eu les cartes de couleur, j'ai eu des très bons régulars. Enfin, surtout un très bon régular. Là, je suis au top. Un dernier pack pour la route, pour finir en beauté, s'il vous plaît. Ah, y a pas d'anime. Bah oui, ils m'ont donné trop de chance aujourd'hui. Ils vont pas m'en donner jusqu'au bout de la vidéo, quand même. Ce serait trop. Brésil, goal, Valence, c'est Neto. Les mecs. Franchement, bonne vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement. Je suis heureux là. Donc j'ai eu mon petit Nicolas Pépé. J'ai eu qui d'autre? J'ai eu mon petit Hakim Ziyech. Donc j'ai eu deux joueurs 87. Et j'ai eu Suarez. Donc vraiment, moi, je trouve que on est sur un bon pack opening aujourd'hui. Voilà les mecs, je vais pouvoir peut-être changer mon Gullit 90 par un petit Gullit 93. Et surtout, ben, bientôt, je vous fais cette semaine, je pense, une vidéo pour mon équipe de e-ligue 1. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma vidéo pour l'équipe de e-ligue 1. Le soir même, je me suis fait éliminer au premier tour de la e-ligue 1. J'espère que ça va pas se passer pareil. Mais voilà, je vais vous faire une petite vidéo cette semaine pour vous présenter mon e-ligue 1. Je vais m'atteler là-dessus là demain. Et du coup, lundi ou mardi, la vidéo qui sort. Également, ma nouvelle équipe pour FUT Champions va sortir. Voilà, on continue d'être actifs, les gars. Franchement, je suis dans une période là, je kiffe faire mes petites vidéos FIFA. Oui, je suis bloqué là-dedans, mais l'essentiel c'est que je kiffe les faire.
Donc voilà, on va continuer comme d'habitude les mecs. Bon, en tout cas les mecs, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis très heureux, moi en tout cas, de cette vidéo. Ciao les mecs, passez une très bonne journée. Salut.